Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. On avait vu dans la vidéo précédente comment prévisualiser le template. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les catégories, les articles et puis les menus. Et comment attribuer un emplacement à chaque menu. Avant de commencer, on va prévisualiser notre template afin de connaître les positions, puis on va aller dans contenu, gestion des catégories, on va créer une catégorie, catégorie, je vais la renommer catégorie 1, catégorie 1, je sélectionne l'utilisateur qui l'a créé la catégorie. Ça a été créé par super utilisateur. Parents non catégorisés. Publié, etc. Donc normalement, c'est bon. Normalement, si on a un message d'erreur. L'enregistrement échoué. Donc apparemment, ça existe déjà. Donc nous, on va faire catégorie-1. Enregistrer et fermer. Voilà. Ensuite, on va aller dans contenu, gestion des articles. Ici, on va créer nos articles. On va créer article 1 qui fait partie à la catégorie 1 qu'on a créée, qui a été créée par super utilisateur que c'est moi. Le texte, je vais mettre texte article 1. Je vais faire décoller afin de pour qu'il ressemble à un texte. Puis je fais enregistrer et fermer. Je crée un deuxième article. Article 2. Qui fait partie de la catégorie 1, la catégorie 1, donc article 2, voilà, je fais enregistrer et fermer, je fais un dernier, je crée un dernier article, article 3, la catégorie, je choisis notre catégorie qu'on avait créée. Ensuite, je tape article 3. Je clique sur enregistrer et fermer. On va passer gestion des menus. On va créer un menu, menu 1, je fais enregistrer fermé, je crée un nouveau menu que je le renomme menu 2, je clique sur enregistrer fermé, je crée un troisième. Enregistrer et fermer. Maintenant, chaque menu, on peut ajouter dedans, on peut ajouter le type de lien de menu. Moi, je clique sur article et je sélectionne article. Ah. Donc, type de lien menu, c'est article. Titre de menu, ce sera lien vers article. Article. Lien vers article 1. Lien vers article 1.
la statue publiée, l'accès, accès public, menu, ça sera menu 1. Ensuite, je clique sur enregistrer et fermer. Je crée un nouveau. Je sélectionne. Je le renomme article. Je sélectionne l'article. Je le prénomme article numéro 2. Là, article. Je le renomme menu. Ah, lien. Vers menu. Vers article 2. Je clique sur enregistrer et fermer. Je crée un dernier. Je sélectionne l'article. Ici, je sélectionne mon article, article 3 que j'avais créé auparavant. Ici, lien vers article numéro 3. Je clique sur enregistrer et fermer. Là, on a créé 3 liens de menu. Chaque lien, il pointe vers article 1. Le dixième, il pointe vers article numéro 2. Et ainsi de suite. Donc, on va revenir, on va partir vers extension. Ensuite, gestion des modules. On va cliquer sur nouveau. On va sélectionner le menu. Pour nous, c'est le menu numéro 1. On souhaite afficher le menu numéro 1. On va lui donner le nom module 1. Je sélectionne la position. Pour sélectionner la position, on va regarder dans la prévisualisation de notre template. Par exemple, je vais lui donner la position 6 à droite. Donc, je sélectionne la position 6 qui correspond droite en haut, si on le compare par le template BIS. On a la possibilité de le saisir à la main. Si on connaît par cœur, on peut taper directement la position 6. En cliquant enregistrer, on peut voir le site et on a le module qui est affiché à droite. Lien vers article numéro 1, lien vers article numéro 2, lien vers article numéro 3, et ainsi de suite. Et on peut faire la même manipulation pour les autres. On peut dupliquer son module en cochant la ligne et en appuyant sur le bouton dupliquer. Et on a le menu qu'on vient de dupliquer. On va le renommer menu test. On va choisir une position, la position 10, comme on voit ici. Donc il se fait de taper position 10, enregistrer et fermer. Menu test. Bien sûr, la statue publié, enregistré, fermé. On revient vers notre page, on actualise, on appuie sur la touche F5 et vous allez voir qu'on vient d'afficher le menu ici avec des liens qui apparaissent. Et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé pour créer vos articles, les menus, gestion de templates, etc. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur netprof.fr. Au revoir.